Merveilleusement, il change. Merveilleusement, tu changes. Et merveilleusement, lui, il change. Merveilleusement, tu changes. Yosaline Zambalole. Merveilleusement, tu changes. Yosaline Zambalole. Lorsqu'il y a changement de saison, il y a changement de vêtements. Et je vois clairement le Seigneur en train de revêtir plusieurs de cette robe royale. Et lorsqu'il y a aussi changement de saison, il y a changement d'aliments. Nous, il dresse devant nous une table où il présente légumes, fruits et même viande de la saison. Ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière. Toi, tu places les étoiles par ton plaisir. Merveilleusement, tu changes. Merveilleusement, tu changes. Oui, merveilleusement.
Lorsqu'il y a changement de saison, il y a changement de vêtements, et je vois clairement le Seigneur en train de revêtir plusieurs de cette robe royale. Et lorsqu'il y a aussi changement de saison, il y a changement d'aliments. Nous, il dresse devant nous une table où il présente légumes, fruits et même viande de la saison. Shalom, shalom à tous, shalom à tous ceux qui sont sur Facebook, shalom, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui sont sur la plateforme Zoom, que Dieu vous bénisse.
J'aimerais que l'on me donne un retour si bel et bien on m'entend. Si l'on m'entend, est-ce qu'on peut me donner un retour? My God. Alors, est-ce que l'on m'entend très bien? Shalom Mendes, shalom Zipier, shalom les personnes présentes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je crois en anglais, on dit welcome. Bienvenue à ces moments. Alors, est-ce qu'on peut m'aider à inviter un maximum de personnes? Est-ce qu'on peut m'aider à inviter quelqu'un? Alors, si tu es là, tu connais quelqu'un qui a besoin de tel moment, tu peux simplement inviter cette personne à être là ce soir avec nous. Si tu connais une sœur qui doit être là, des membres de cette communauté, invite quelqu'un, ne reste pas silencieuse. Pour le lien, si tu connais un frère qui a du mal à aller à l'église, qui a oublié ces choses, prends le lien sur Facebook, envoie-le à cette personne. Invite cette personne, prends le lien Zoom, invite quelqu'un. Prends le lien, va sur WhatsApp, invite-le. Invite cette personne et dis-lui que nous avons commencé en attendant que toi. Il y a quelqu'un, nous avons commencé en attendant que toi. Il y a quelqu'un, nous avons commencé en attendant que toi. Envoie-le en WhatsApp à quelqu'un. Dis-lui, Kaladaba, c'est le Dieu. Thank you, Jesus. Dis-lui que nous avons commencé en attendant que toi. Dis-lui, nous avons commencé. On n'attend que toi. J'aimerais encore savoir si bel et bien on m'entend très bien. Bonsoir à Jeffrey, pour ceux qui sont sur Facebook. Voilà, que Dieu te bénisse là où tu es. Dieu bénisse ta détermination, ta fidélité et ton amour pour le Seigneur, ce sont des choses qui ne passent pas inaperçues. Et le Dieu qui récompense, te récompensera. Le Dieu vous bénisse. Le Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Plutôt on commence et plutôt on termine. Je n'aimerais pas attendre que plusieurs personnes se connectent, car je crois que nous devons apprendre aussi la ponctualité avec le Seigneur. Toutefois, je crois que nous allons maintenant commencer pour suivre le moment. Alors, si on m'entend comme le facile, si je peux commencer comme le dit avant prophète. Je peux commencer comme ils disent avant ce prophète. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te vassions. Te donnons l'honneur et la gloire et la majesté. Merci pour ce moment. Merci pour la plénitude de ton esprit. Merci parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui conseilles, c'est toi qui oriente. Seigneur, ma prière, c'est que tu sois avec nous ce soir. Et mon désir, c'est que tu puisses nous visiter pleinement. Dans le nom de Jésus. Que ces paroles, Seigneur, s'inscrivent au plus profond de notre esprit. Que ces paroles s'inscrivent au plus profond de notre cœur. Bénis-nous durant ce culte.
nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu peux me donner un amen, s'il te plaît. Waouh. Waouh. Donne-moi un amen. Amen, amen, amen. Et Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, on va poursuivre notre message sur la thématique dont vous avez connaissance. Et ce soir, nous allons parler d'un point très intéressant qui, lui, va marquer le deuxième, ou du moins le troisième secret. Pour ceux-là qui n'étaient pas nés à cette période-là, nous avons déjà parlé de deux secrets, à savoir vaincre l'opposition de du naturel. Et dans l'opposition du naturel, nous avons parlé de plusieurs choses. Alors, de quoi parlons-nous ici? Allons-y d'abord dans la compréhension du texte. Nous parlons de tout simplement ce que nous avons intitulé. Nous parlons d'un thème, à savoir cinq puissants secrets pour une vie de prière. Asseyez-vous. Je vois des gens en train d'être mouvementés et en train de discuter. Essayez de vous asseoir. Oh my God. Essayez de vous asseoir et de vous concentrer. Arrêtez d'être dispersés. Donc, assieds-toi et concentre-toi par rapport à ce qui va être dit. Alors, nous sommes en train de parler sur les cinq premiers secrets ou les cinq puissants secrets pour une vie de prière efficace, autrement dit productive. Et nous avons parlé d'un premier secret qui est vaincre l'opposition de la chair, bien évidemment, après avoir défini qu'est-ce la prière. Dis-moi ce qu'est la prière. Maintenant, nous avons parlé d'un premier secret qui est vaincre l'opposition du naturel. On a parlé d'être fervent, de parler en langue, des soupirs, de la connaissance. Et hier, on a parlé d'un deuxième secret qui est de la foi. On a dit que la foi vient activer la connaissance, et sans connaissance, il n'y a pas de foi, car la foi vient de ce que l'on entend. En d'autres termes, la foi n'est que la conséquence de ce que l'on a comme connaissance. Parce que la foi est... Okay. La connaissance active la foi. La foi active la connaissance. La connaissance active la foi. Et la foi active aussi la connaissance. Je vais expliquer. La foi vient de ce que l'on entend. Donc la foi naît par la connaissance. Mais une fois on a connaissance, une fois que la foi est née, la foi emmène la connaissance en manifestation. Donc, il y a un principe d'interdépendance. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. En d'autres termes, elle provient, elle tire son existence de ce que tu entends. Donc, la foi vient de la connaissance. Mais une fois que tu as la connaissance, il y a naissance de la foi. Une fois qu'il y a naissance de la foi naît pour venir mettre en évidence, mettre au devant de la scène, qu'est-ce que je veux dire comme synonyme, vient pour mettre en existence ou à l'existence, sur Facebook. Mon esprit est sur Facebook. Je vois sur Facebook une dame. Je dirais une demoiselle. Dame-demoiselle. Et je vois comme quelqu'un qui est triste. Je vois une demoiselle triste. Et c'est comme si elle, c'est une demoiselle qui a pleuré il y a quelque temps après, là, il n'y a pas longtemps.
Je suis sur Facebook. La demoiselle dont je suis en train de parler, je suis en train de voir comme depuis un moment, elle sent dans son esprit comme un manque de confiance. C'est comme si les personnes qui sont autour d'elle, elle n'a plus confiance aux personnes qui sont autour d'elle. Elle a commencé à être encore déçue. Quand elle se confie à quelqu'un, elle est déçue. Il y a plusieurs personnes autour d'elle. Elle passe par une période où elle a du mal à faire confiance à plusieurs. Je suis sur Facebook. Et à côté de cette personne, je vois une autre demoiselle qui s'appelle Grâce. 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 Ok. Pendant que je suis sur Facebook, je suis en train de voir sur Facebook dans la vie de cette demoiselle comme une phase d'indécision, d'instabilité, comme elle est indécise. C'est comme si elle veut voyager, mais en même temps elle est là, elle est en train de réfléchir par rapport à cela. Si la fille dont je parle est là sur Facebook, ok, qu'elle se manifeste rapidement. Pendant que je suis en train de parler, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que la foi vient pour mettre la connaissance, vient pour amener la connaissance en matérialisation. Et hier, on a défini la foi, on a dit certaines choses sur la foi. Mes amis, vous devez comprendre que en ce qui concerne la prière, si tu n'as pas la foi, ne prie pas. Parce que la Bible déclare que Dieu exauce ceux qui prient avec foi. En d'autres termes, ce qui constitue l'exaucement à nos prières, ce n'est pas d'abord notre prière, mais c'est la foi que l'on a après avoir prié. Je n'aimerais pas, pour le moment, entrer trop dans la foi parce que je prendrais mon temps là-dessus. Durant redécouvrir les fondements, je vais apporter d'autres lumières là-dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voudrais pas vraiment entrer dans ce point. Donc, il y a ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire. Mais la foi va au-delà de croire. La foi ne se limite pas seulement au domaine où on croit. Mais la foi va au domaine où on croit, mais au-delà de croire, on a la certitude. Au-delà de croire, on a une haute certitude que ce que l'on croit est vrai et cela va s'accomplir. Parce qu'on peut croire, mais en une chose qui n'est pas vraie. Or, la foi a la capacité même d'amener ce en quoi nous croyons à l'existence. Parce que la foi, ce n'est pas seulement au niveau de croire, mais la foi dépasse ce que moi j'appelle la croyance. Comparer la foi au fait de croire est un premier niveau. Mais quand vous grandissez, vous vous rendez compte, est-ce que je peux parler ici? Comment? C'est en train de s'ouvrir. Est-ce que je peux parler? J'ai besoin des interactions. J'ai envie de prêcher avec toi. Il y a une forte mouvance prophétique actuellement. Sur Zoom, écoutez bien ce que je vais dire. Sur la plateforme Zoom, est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu es là? Et écoutez bien ce que je vais dire. Je ne parle pas des personnes qui sont déjà dans le domaine. Mais je dis, il y a quelqu'un, il y a une demoiselle. Tu n'es pas encore dans le domaine. Mais tu es en train de réfléchir à un projet de business. Mais tu n'es pas encore dans le business. Je ne parle pas de ceux-là qui sont déjà dedans. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs dans d'autres pays, mais mon esprit est au Gabon. D'accord. C'est de toi dont il s'agit. Tu m'as fait part de quelque chose en inbox
par rapport au témoignage que tu as donné, Lise. Et quand j'ai vu que par rapport à ce que tu as reçu, tu es en train d'attendre, que tu réfléchis comment faire pour mettre ça en activité. La mère te pose. Parce que je te vois en train de réfléchir et parmi la réflexion, les réflexions que tu es en train de faire, tu essaies de voir comment multiplier le peu d'argent que Dieu a pu te faire grâce d'avoir. Et tu réfléchis à plusieurs activités. Et comment c'est quelqu'un qui aime la soirée de ce jour. Ce soir, on est très calme. Donc, là, on est en train de parler, on enseigne, en même temps, on navigue selon l'esprit. Ok. Lise, la mère de Paul, est-ce que tu connais une demoiselle qui s'appelle Grâce autour de toi? C'est qui Grâce? Une de tes sœurs. Ok. Tu peux activer le micro s'il te plaît. Ça ne dérange pas bien. Si bien sûr, il n'y a pas de bruit à côté. Grâce, c'est une de tes sœurs, c'est ça? Oui. D'accord. Elle est dans la même maison que toi actuellement? Non, on n'est pas dans la même maison. D'accord. Parce que pendant que je parle de Grâce, pendant que je parle avec toi, je vois comment l'Esprit de Dieu me dit qu'il va visiter aussi Grâce. C'est une demoiselle. C'est une demoiselle. Elle est plus petite en ton âge? Elle a 24, 25 ans, presque 25. Oui, parce que je la vois dans cette tranche-là. Mais il faut dire à Grâce, écoute bien ce que je vais dire. Je la vois en train de pleurer. Ah, Seigneur, je la vois en train de pleurer. Et pendant qu'elle pleure, premièrement, je vois comment ce qu'elle fait. Je vois comme une demoiselle qui lutte. Elle a des grands projets, elle lutte. Mais ça, c'est comme si ça n'avançait pas. Mais deuxièmement, pourquoi je la vois en train de pleurer, c'est par rapport au domaine sentimental. Effectivement, le père de son enfant l'a abandonné avec l'enfant. Mmh. Comment? Ok, elle est où? RSK22, on n'est pas dans la même maison. D'accord. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle... Est-ce son nom de famille, c'est lequel? Tinga Obie. Pardon? Tinga Obie. Obie. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle... dont le nom de famille qui commence par... comme MBO, c'est Mombo, quelque chose comme ça. Demoiselle. Non. D'accord. Je suis en train de voir par rapport à la vie de Grâce, comment elle pleure, elle se lamente. Non seulement par rapport au fait que le père de l'enfant l'a abandonné, et ça l'a beaucoup brisé. Parce que je la vois, elle a beaucoup fait des sacrifices par rapport à ce monsieur-là. Effectivement. Est-ce qu'ils restaient ensemble? Oui. Ils se sont séparés, elle est sortie de la maison. Elle est partie rester chez Kia. C'est une tante? Non, c'est lui qui est parti. Bon, elle est partie chez sa tante. Oui. Elle est partie rester chez sa tante à Ovando.
Oui. Dans quel quartier précisément pour Vando? Derrière le CHU là-bas, je dis le nom du quartier, mais c'est derrière le CHU. La pédiatrie, il y a des nations. Voilà, la pédiatrie. D'accord. Et pendant que je suis en train de parler, là actuellement, on parle maintenant. Ok. Je vois mon esprit, pardon, le domaine de étudiantin de grâce, donc ses études, je ne sais pas si elle a porte. Oui. Je vais là-bas, je vais dans le domaine financier parce que maintenant, je vois elle a besoin d'argent. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager à parler? Amen. Effectivement, elle a besoin de 500 000 pour faire sa soutenance. Elle est bloquée à ce niveau depuis au moins 6 mois par an. D'accord. On va prier pour grâce. Amen. Maintenant, on va prier pour grâce. Maintenant, tu vas faire quelque chose. Amen. Et l'autre, il faut le lui dire. Il faut lui dire que Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que même la séparation qu'elle a eue avec le monsieur dans sa famille, c'est comme si ça a réduit le cœur de certaines personnes. Parce que je vois des personnes comme lui parler en lui disant si on t'avait dit bien ou quelque chose, on t'avait averti. C'est un homme qui ne la considérait pas. Donc le fait qu'il se soit séparé, nous, ça nous arrange parce qu'en fait, il n'apportait rien. Et il y a des moments où, oh my God, c'est vrai que ça ne lui apporte, ça ne, il n'apporte rien, mais elle aimait beaucoup. Parce qu'il y a, je vois même des dames, précisément des dames qui l'ont fait à soi, qui l'ont dit ça, qu'on t'avait dit, ma fille. Les voisines, les tantes. Voilà. Les tantes et tout ça, le fait que, vous savez, quand quelqu'un a fait une mauvaise décision, a pris une mauvaise décision et qu'elle est dans une phase compliquée, parfois ne venez pas mettre encore le couteau dans la plaie. Attendez qu'elle guérisse pour l'orienter. Pour l'orienter. Mais ce monsieur-là, ce monsieur-là va vouloir revenir. Il est parti. Bon, c'est pas toi, grâce. Ok, il faut dire à grâce qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour elle de meilleur. Il faut dire à grâce qu'il ne faudrait pas qu'elle se lamente par rapport à ça, parce que Dieu va ouvrir le port par rapport à ses études. Et Dieu va restaurer. Dieu la voit comme. C'est comme si elle aimait beaucoup Dieu, mais après un moment donné, elle est, il y a une flamme qui s'est brisée. Et depuis un moment donné, elle regrette par rapport à son intimité avec Dieu. Pendant que je parle, il faut dire à grâce que mon Dieu lui dit, mon Dieu me dit de lui dire qu'il va restaurer sa vie de prière et ça va commencer dans cette phase dans laquelle elle est là. Pendant que je suis en train de parler, je vois un homme qu'elle va rencontrer. L'homme dont je parle, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui occupe des hautes fonctions dans un domaine administratif en relation avec les études, précisément. Elle est à Libreville, elle est à Ovando. Mais je vois comme si elle va soutenir dans une école, une université. Et dans l'université, ok, elle fait quoi? Je crois qu'elle fait électricité, un truc comme ça. Elle fait électricité. Parce que je vois dans son école, là où elle va soutenir, je vois Dieu qui va la favoriser par rapport à un monsieur qui est comme un directeur ou un fonctionnaire, quelqu'un qui a une. Ok. Quelqu'un qui est hautement placé. Je vois comment Dieu la favorise là-bas. En gros, ce monsieur même voudra comme l'introniser dans certains circuits par rapport au domaine professionnel. Et ce monsieur sera comme un père pour elle. Est-ce que tu comprends bien ce que je dis? La vidéo est sur Facebook. Si tu n'arrives pas à traduire, capture ça et on prend la capture et on va le lire. Il faut dire ça à grâce. Et je suis même en train de voir pendant que je suis en train de parler. Son conjoint là va vouloir revenir, mais qu'elle ne revienne, qu'elle n'ouvre pas la porte.
C'est contre Christ, Dieu, qui l'a libéré de certaines choses. Parce que le monsieur là, il n'est pas vrai, il n'est pas normal. Et puis, il l'a trompé. Oui, c'est à cause de ce qui est parti, il l'a trompé. Il l'a trompé. Là, il est parti, mais il est parti avec une autre fille. Mmh. Il est parti avec une autre fille. Oui. À cause de certaines choses. Donc, il ne faudrait pas que grâce à cause des émotions revienne là-dessus. Dis à grâce. Dieu a permis ça aussi parce que Dieu l'a veut. C'est un temps où Dieu veut restaurer sa vie. C'est un temps où Dieu veut restaurer son intimité. Par rapport à son étude, à ses études, un ange va être délecté, va être envoyé pour restaurer ses études. Elle va se tenir. Mais après la soutenance, je la vois aussi entrer dans le domaine des affaires. Parce qu'elle a des projets qu'elle doit mettre en évidence. Dieu va l'élever à une dimension extraordinaire. Et dans sa vie financière, sa vie spirituelle. Ok. Dans votre famille, elle est chante. Tu t'appelles Lise. Est-ce que tu as une petite sœur? Oui. Parce que je vois une petite sœur après toi. Oui. Et la petite sœur dont je vois... Hein, la petite sœur dont tu parles, elle a quel âge? Il y a une de 13 ans et une de 8 ans. D'accord. Moi, je ne parle pas de celle de 13 ans. Je parle de celle de 8 ans. Maman a décidé de... Maman a décidé de finir avec les enfants. Elle ne fait plus. Oui, elle ne fait plus. Elle a décidé d'arrêter. D'accord. Je vois comment la petite de 8 ans sera une très, très, très grande chanteuse de l'éternel. Amen. Effectivement, elle aime beaucoup chanter. Et il faudrait beaucoup l'encadrer parce qu'elle regarde beaucoup. Elle suit beaucoup ton exemple. Ça a combiné sur la famille. Tout ce que je fais, elle veut faire. Donc, fais attention à ce que tu poses comme action. Attention à tes humeurs. Tu as aussi trop d'humeur là parfois. Une femme, ce n'est pas la colère. Donc, il faut gérer tout ça. Parce que quand on est un exemple, les enfants regardent tout de nous. Donc, il faudrait savoir comment répondre aux gens devant les enfants. Comment se comporter devant les enfants. Montrer le bon exemple. Parce que je la vois comme elle veut vraiment devenir. Il y a un domaine de ta vie là. Je ne vois pas, tu me dis vexé. Il y a un domaine de ta vie. Il faudra lui dire que ça, on ne fait pas ça. C'est une erreur. D'accord. Tu comprends? Je comprends. Oui. Pour éviter qu'elle pense que c'est normal. Il faudrait montrer le bon exemple. Parce que votre famille, toi, je te vois quitter, je te vois entrer dans le domaine anglophone. On me l'a déjà dit, amen. Il a déjà fait. Je te vois entrer dans le domaine anglophone. Je te vois aller aux États-Unis. Amen. C'est la même chose, on me l'a déjà dit. Ok. Bon, ce soir, on enseigne. On enseigne ou bien on peut commencer à prier. Ah, vous aimez le prophétique, Seigneur. Fais attention parce que il y aura des propositions qui te seront faites très dangereuses. Et là où tu es là, là où tu es là même, il y a des choses qui ont commencé à se faire. Il y a des hommes de plusieurs niveaux et des proches qui te demandent, qui te font la cour. Les hommes de Dieu, amen. Ils sont nombreux. Fais attention. Ouais, c'est bien de dire ils sont nombreux. Il faut faire attention et il faut aussi être stable dans ton cœur par rapport à ce que tu veux. Ne cherche pas ce qui frappe l'œil. Cherche ce qu'il te faut. Il y a une différence. Plusieurs hommes te font la cour parce qu'il y a une étoile en toi.
Mais il faut réellement chercher ce que tu veux. Parce que je vois comme une phase où tu es aussi comme en train de te chercher. Relationnel m'en parle. Cherche réellement, réfléchis, prie le Seigneur. Qui te donne celui que tu as besoin, celui qu'il te faut. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Oui, je comprends. Cultive-toi, documente-toi, apprends l'anglais si tu veux. Sois une tête. Je ne sais pas si tu continues à apprendre ou si tu as arrêté, peu importe. Sois une tête, documente. Tu as arrêté les cours. Oui. Ok, si tu as arrêté, alors sois autodidacte. Documente-toi. Va apprendre davantage. Parce que tu es appelé à connaître les grands. Mais fais attention. Je te l'ai dit une fois dans une conférence ici à Dakar. Et je te le redis encore. Fais attention. Ok. Parce que je vois beaucoup le domaine sexuel là. Comment ça te prend et ça te gaspille là. Oui. Là, tu ne dis plus beaucoup. Là, c'est bien. Oh. Fais attention. Est-ce que quelqu'un me dit, est-ce que je peux te parler ici? Amen. D'accord. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je peux parler ici? Allô, vous éclairez. Fais attention parce que à un moment de ta vie, vous savez, okay, on est en train de parler des cinq secrets, cinq puissants secrets pour la prière. Le premier secret, c'était briser la chaîne. Ok. Lise, ta maman est mariée? Non, non. Est-ce que tu sais que si vous ne faites pas attention, vous les filles, vous allez répéter les mêmes choses? On l'a déjà dit. Parce que le mariage est combattu pour votre famille. Maman a connu l'amour. Tu comprends ce que je t'ai dit là? Oui. Maman a connu l'amour. À un moment donné, il y a eu un break. Son cœur a été déchiré. Mm-hmm. Et depuis un moment donné, elle vit seulement. Mm-hmm. Je ne sais même pas si c'est leur relation, mais le mariage est combattu. Et ça ne vient même pas de maman. Ce dont je te parle, c'est fait même depuis avant maman. Tu connais qui était ta grand-mère? Oui, oui. D'accord. Ta grand-mère vit encore? Non, non, elle ne vit plus. Ta grand-mère avait la langue légère. Tu sais ça? Non. D'accord. Quand je dis la langue légère, c'est que ta grand-mère parlait. Et surtout quand elle était aussi un peu rancunière. Il faut demander ça à maman. Et il faut prier par rapport à maman et par rapport à votre vie pour que vous ne répétiez pas les erreurs de maman. La séparation de maman a commencé par des incompréhensions et des humeurs. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées et puis bam, on a jugé nécessaire de se séparer. Je ne sais si elle était mariée ou pas. Il faudrait beaucoup prier là-dedans. Par contre, dans votre famille, je répète ce que je t'ai dit une fois. Vous êtes des étoiles et des têtes appelées à aller très loin, mais on voudra vous faire entrer dans des histoires de corruption. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Voilà. Il faudrait beaucoup prier. Deuxième chose, je vais terminer ici et je vais continuer l'enseignement. Si tu ne pries pas un moment, écoute bien ce que je vais dire. Comment? Pourquoi il est important que tu pries? Parce que quand tu te déconnectes de la présence de Dieu, tu perds tous les repères. Mm-hmm. Tu n'es pas stable. Mm-hmm. Parfois, quand tu n'es pas stable, l'ennemi se sert de ça afin de t'utiliser. Mm-hmm. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Et parfois, il t'amène à faire des choses que même toi-même, tu ne comprends pas. C'est seulement après que tu regrettes, tu dois encore faire des bêtises. Mmh.
Pourquoi je te dis ça? Je vais te dire des choses directement et cash. Il faudrait que tu apprennes à rester dans la présence de Dieu, sinon l'ennemi va se servir de toi comme une pierre d'achoppement pour plusieurs. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout. Amen, oui. On me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. Oui, et moi-même, j'ai constaté. Ah, tu as constaté ça, hein? Ok. Il faudrait prier le Seigneur. Est-ce que tu sais que dans votre famille, il y a eu des totems, des serpents et des totems, des sirènes? Oui, je le sais. Tu comprends pourquoi la dernière fois, quand on est dans la conférence, je t'ai dit qu'il y a des esprits de sirènes? Oui, je comprends. D'accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes ont du mal à tenir le regard avec eux. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Est-ce que tu es passé par des divorces? Non. D'accord. Il faut faire deux choses. Là où tu es au Gabon, va voir un homme de Dieu. Là où tu es, là où tu es. C'est ce qu'on appelle la cure d'âme et la délivrance. Prophète Aja. Oui. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis approchée de plus de trois hommes de Dieu pour cela. Avec certains, lorsqu'ils entament, ça ne finit pas. Et d'autres, lorsqu'ils commencent, vous allez m'excuser, mais ils commencent à tomber amoureux. Ce qui fait que je n'arrive pas. En fait, aucun homme de Dieu n'a pu. Tu sais pourquoi? Non. D'accord, on ne va pas parler en privé, je vais te dire ça là. Quand tu te vois avec les hommes de Dieu pour la délivrance, l'esprit se manifeste tel en sorte que les hommes de Dieu ressentent des pressions dans leur chair. Ce qui fait en sorte que la plupart des hommes de Dieu avec qui tu t'es rapproché ont toujours voulu avoir des contacts sexuels avec toi. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas. Ok, c'est ce qui fait en sorte que quelquefois même tu as eu des indifférents avec certaines personnes autour de toi qui ne sont pas des filles et des hommes de l'église. Est-ce qu'on t'a déjà traité des sirènes ou bien des Jézabel? Oui, même dans la rue lorsque je marche. Justement, parce qu'il y a des mouvements autour de l'air. Maman prie. Elle ne prie plus. Dans votre famille, il y a des histoires, des rituels. Pour les jumeaux, parce qu'on en a beaucoup. Il n'y a pas que les jumeaux. Il y a des mains au bord. Je vois comme des rituels au bord des eaux, précisément au bord des mers. Ah. Et ouais, tu as des choses à ta chaîne, hein? J'en avais, mais j'ai enlevé. Je n'en parle. Enlever. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut naviguer dans notre prophétie? Est-ce que vous me permettez de couler dans notre prophétie? Ok. Comment? On va prier. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu ce soir. On va prier. C'est l'une des raisons pour lesquelles les amis ne négligent pas les moments de jeûne et les moments de. Ok, je peux te parler encore, je peux exagérer, je peux entrer. Si ce n'était pas Dieu, là où on parle, je suis en train de voir dans le passé, il y a une porte qui s'est ouverte pour toi. Tu devais faire des choses compliquées avec les gens de la cour. Tu ne les comprends pas, tu me l'expliques. Je ne comprends pas. D'accord. Il y a une période dans laquelle tu es passé. Je crois que c'est avant que Dieu ne te donne Paul, ou dans la période. La mère de Paul. Tu es passé dans une phase où il y a une porte que l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi voulait te mettre en contact avec certaines personnes qui allaient t'introduire dans des histoires bizarres avec les gens de la cour du Gabon. Non, pas toujours. Non.
On ne sait pas des légendes de la cour du Gabon, il faut comprendre le langage. La cour royale du Gabon. On ne peut pas dire les choses. Tu ne comprends pas toujours? Non, je ne comprends pas l'expression cour royale. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut lui dire la cour royale? La cour royale, c'est quoi? Avec les gens du gouvernement. Ah, quelqu'un dit les choses sombres. Je te vois, on a été introduit dans certaines choses qui se font un peu de manière sale, là, avec certaines personnes du gouvernement. Tu comprends maintenant? Oui. Ça a failli se faire très, très dans le passé. Et pourquoi Dieu ne l'a pas permis? C'est parce que Dieu a un plan extraordinaire par rapport à ta vie. Écoute, il y a des choses qui ont eu à être dites. On t'a traité de tout, de sirènes, de Jézabel, ok. Mais tu vas comprendre que ceux qui l'ont dit, il ne faut pas les garder dedans. Ce n'était pas de leur faute. C'est parce que dans votre famille, vous avez des choses, en fait, vous dégagez certaines choses. Premièrement, le diable sait que vous avez une étoile extraordinaire dans votre famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles il combat les études de certaines personnes et il pousse beaucoup, surtout les filles. Je ne sais pas si vous avez des garçons, mais il pousse plusieurs dans une vie un peu compliquée. Pardon? On a rarement les garçons, on n'a que des filles. Vous avez des filles, des têtes et des belles filles dans votre famille. Ce n'est pas un péché de le dire. Mais parfois, vos études sont compliquées. Quand vous désirez apprendre, il y a des choses qui se passent. Mais par contre, quand vous vous mettez dans l'autre chose, vous avez l'impression que ça coule. Parce que l'ennemi veut vous détruire par rapport à ça. Mais j'insiste, il faut bâtir ta vie sur l'or. Il faut poser les sacrifices là où tu es là. Peut-être ça va choquer certaines personnes, mais je le dis comme ça. Fais la cure d'âme avec certaines personnes, avec des hommes de Dieu. On va trouver un homme de Dieu. Dieu va vous répondre. Fais la cure d'âme. Prie le Seigneur. Or, on peut t'aider par rapport au programme des prières. Cherche Dieu. Bâtis les autels. Crée des alliances avec Dieu. Si Dieu a permis que tu sois en contact avec ça, c'est parce que Dieu a un énorme plan pour ta vie. Il y a un cycle que tu dois briser. Il y a un cycle familial que tu dois briser. Il y a un cycle... Je suis en train de dire ici, il y a un cycle familial que tu dois briser. C'est qui Fanny. Est-ce qu'il y a une Fanny ici? Sur Zoom, on est sur Zoom. Ah. Ok, tu es quelqu'un qui s'appelle Fanny. Oui, la grande soeur de maman, actuellement. Oui. Ok, actuellement elle s'appelle Fanny. Oui, c'est son prénom. C'est son prénom. Parce que pendant que je dis, il y a quelque chose que Dieu va briser, Dieu me dit qu'il va briser quelque chose chez Fanny aussi. Fanny. Elle dort déjà? Non. Elle a des enfants? Oui. Bon, il faut dire à Fanny. Mais Fanny, elle ne déprime pas. Elle ne croit même pas en Dieu. Elle ne croit même pas en Dieu. Je vois comme si elle a fait des choses pour sa sortie financière. Dans votre famille, il y a des gens qui sont sortis avec des grands monsieur. Oui. Ah? Effectivement. Maman Fanny, là, je suis en train de voir. Comment? Je veux parler. Maman. Pendant que je parle sur elle, je parle sur toi. J'étais en train de dire qu'il faut briser le cycle. Les amis, demain, c'est notre dernier jour. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus grand-chose, il ne reste pas grand-chose. Pour les points. On peut continuer jusqu'à dimanche si vous voulez. Je peux donner mon message. Mais je crois qu'il est important après tout de naviguer selon l'esprit. Il y a des choses dans nos familles qu'on doit refuser. Vous
vous ne comprenez pas peut-être parfois, tu es innocente ou innocent, mais quand tu viens au monde, tu as des pressions, les esprits, les femmes, elles. Flore, pendant que tu as vu vérité, j'ai vu comme si tu cherches le travail. Je ne sais pas si tu travailles. Je parle de Flore. Pendant que tu as mis vérité, j'ai vu comme si tu cherches le travail. J'arrive chez toi. Mes amis, parfois on est comme ça, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la famille. Tu arrives, il y a déjà tout un système. Et il me semble que tu es parce que tu as le sang. Le même sang familial, tu subis des pressions. Il y a des merci, il y a des réclamations. Et regardez, elle, si on ne lui expliquait pas ce qui se passe, elle devait oublier les personnes qui la traitent de sorcière, de Jézabel. Or, elle ne sait même pas ce qui se passe autour d'elle. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il y a des esprits dans la famille, des totems de serpents et les sirènes. Qui font en sorte qu'autour d'elle, les hommes, même, il n'y a pas que les hommes de Dieu, les hommes ont du mal à se tenir devant toi et de fixer dans les yeux comme ça. Amen, c'est vrai. Il y a quelqu'un, il faudrait que ça cesse. Dis-le, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais je réponds, il faut chercher Dieu. Tu as besoin d'aide, on est là pour ça. Tu as besoin d'orientation, on va t'aider. Je vais me disposer pour t'aider. Cherche Dieu. La chose que je peux faire, étant donné qu'on n'est pas dans la même localité, c'est t'emmener, te donner des orientations par rapport à ce que tu dois faire. Et si toi-même tu n'as pas le désir de sortir par ça, le ça, ça va être compliqué. J'ai le désir d'en sortir. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites quand tu es née? Non, non. Non? Pas que je sais. Ce que je vois, est-ce que tu fais des rêves où tu vois des rituels, des serpents et consorts? Avec des esprits de rouille avant. Maman, parle bien, pardon? Je dis avec des esprits de rouille avant. Et avec... Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait au niveau de ton appareil. De telle en sorte que quand tu vas avec un homme, parfois tu ne comprends pas, mais tu es sûr. Pardon? Tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas bien suivi. Je ne sais pas si c'est dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Mais je vois comme des rituels, des choses qui ont été faites sur ton corps. Est-ce que vous me permettez de parler librement ici? Précisément au niveau de ton appareil sexuel, il y a quelque chose qui a été fait. Je vois comme si, I'm sorry for this expression, désolé de l'expression, ne sois pas choqué, hein? Ne sois pas gêné, n'aie pas peur. Dieu est celui qui révèle, il est celui qui guérit et qui transforme. Je vois comme s'il y a quelque chose qui t'a été mise à l'intérieur. Et quand tu vas avec un homme, tu ne comprends pas, mais après, c'est comme si, désolé, il revient comme un chien. Vous avez fait ce rêve où des femmes dans l'eau, elles me proposaient un truc semblable, me disant que je devais aller chercher les hommes, ils devaient être là autour de moi. Oui, il y a parfois des rêves que l'on fait, on ne comprend pas. Tu vois, tu te vois juste dans l'eau. Et tu dis, oh, j'aime la plage. Tu ne sais pas ce qui se passe. Si je dis Alice, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, non. D'accord. Allons, et bien, des verres. Souprez les mains, télescopez les mains. Zéker l'église, fara la valouche. Pendant qu'on parle chez maman Louise, on parle aussi chez toutes les autres personnes ici connectées.
Et je décrète et je déclare au nom de Jésus que la délivrance soit votre partage maintenant. Amen. Et là où il y avait des totems de famille, des alliances, des choses qui ont été faites dans le monde spirituel, que ces choses vous libèrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, pour ceux qui sont mariés, il n'y aura jamais de divorce dans votre famille. Je déclare pour ceux qui veulent se marier que vous allez vous marier au nom de Jésus. Je déclare pour toutes les personnes qui veulent aller loin, vous irez loin. Je commande au nom de Jésus que tout esprit de réclamation familiale qui veut vous amener dans une vie perverse sexuellement, une vie d'activité bizarre, je commande à ces esprits de libérer votre vie au nom de Jésus. J'ordonne la délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu lèves ta main, je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les rêves de réclamation, toutes les attaques et les alliances faites dans ta vie, dans ta vie soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis et je le redis. Aucun esprit familial ne te gardera comme son esclave. Because la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle ici, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir de maintenant, tu es affranchi et tu es libéré. Quelqu'un me donne la main. Pourquoi l'ennemi? Oui. Hier, j'ai reçu quelque chose. C'était que je devais bâtir un hôtel pour mon enfant et mes petits frères parce que je suis comme leur mère. Je devais bâtir un hôtel, je devais vous donner une certaine somme et que tout le temps, pendant des années, je devais à chaque fois donner de l'argent comme si je devais nourrir cet hôtel en fait pour que la vie de mon enfant et de mes petits frères ne soit pas la photocopie de nos vies. Hier, lorsque j'ai reçu ça, je me suis dit que non, je vais faire ça après, dans quelques mois, c'est pas urgent. Et lorsque vous parlez encore de bâtir des hôtels, je crois que je vais le faire et demain je vais commencer à envoyer l'argent. Il est important de comprendre les choses. Bénis Dieu que ce soit l'esprit de Dieu qui l'a dit lui-même et que ma parole n'a été qu'une confirmation. Pourquoi l'ennemi veut avoir à tel détail? Parce qu'au travers de toi, il y aura un cycle familial qui sera. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Le premier ennemi d'un prophète s'appelle Jézabel. Deuxièmement, mon appel, je vous le dis maintenant, retenez ça, pour éviter que demain après-demain, vous puissiez m'attaquer. Dieu m'a appelé pour les nations. Dieu m'a appelé pour les nations. Mais dans toutes ces nations-là, Dieu m'a appelé particulièrement pour faire sa gloire à Jézabel. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des combats. Je ferme cette porte. Dieu m'a appelé vraiment pour détruire les œuvres de Jézabel. Il n'y a pas que Satan, il y a aussi Jézabel. Jézabel, homme et femme. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que dans ce ministère, excusez-moi pour l'expression, les PD vont se convertir. Les lesbiennes vont se convertir. Quand je parle des lesbiennes, il y a des personnes là, ici, là. Je prie Dieu que tu abandonnes ça rapidement. Et si tu as déjà abandonné, que Dieu te délivre encore et que tu ne reviennes jamais là-dedans. Là, on est en train de partir. Je ferme mes notes, je ne vais pas me battre. Là où on est en train de partir, vous savez, j'ai tellement gelé durant ce mois que aujourd'hui je parle avec une servante de Dieu qui est médecin. J'ai des douleurs au niveau du dos, j'ai des douleurs aux articulations.
Je le disais même à certaines de mes sœurs. Quand je marche, j'ai l'impression que je vais tomber. Elle m'a dit, tu jeûnes trop, arrête de trop jeûner. Je lui ai dit, je ne peux pas arrêter de trop jeûner. Il y a trop des problèmes. Il y a tellement de problèmes. Vous avez tellement de problèmes. On est obligé de tout temps jeûner. Mais deuxièmement, aidez-nous à tout jeûner. Pratiquez les enseignements qu'on vous donne, les amis. Arrêtez de nous faire tourner, excusez-moi l'expression, en bourrique. Mêlez-vous de sainteté et de sanctification. Or, Lise, actuellement, il y a un monsieur qui débarque. Oui. C'est de toi que j'ai parlé hier. Je sais. Il faut laisser le papa là. Oui, il faut le bloquer. La vie que tu as, il faut même plaisir avec n'importe qui. Mets-toi une discipline. Bloque. C'est-à-dire, quand tu sais que ce sont les. Je parle à tout le monde. Quand vous savez que le monsieur n'est pas productif, il n'est pas bien vous apporter, vous n'allez rien apporter, ne faites pas les oui, les bénis, puis les amis. Vous savez pourquoi, depuis un moment, j'insiste sur la sexualité? Je ne sais pas pourquoi, mais laisse-moi même insister là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des choses compliquées. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses compliquées. Quand tu sais que quelqu'un est venu, quelqu'un a dit, ne va pas loin, ne va pas très très avec, ne va pas près d'une personne si tu sais que tu n'iras pas loin avec elle. Ne t'approche pas trop près d'une personne si tu sais que tu n'iras pas très loin avec elle. Donc si tu sais que le monsieur là, il a des projets de destruction et non de bonheur pour ta vie, ne lui donne pas la force. Ne lui fais pas la porte. Ferme, verrouille pas, ne dis même pas. Parce que si tu ouvres, tu es en train de venir, il y a une possibilité de. Et après, c'est là où vous ne savez pas, quand on n'est pas fort tout le temps. Écoutez, on n'est pas fort tout le temps. C'est une raison pour laquelle ne fais jamais l'erreur de mettre autour de toi des personnes qui veulent te détruire. Croyant que tu seras fort tout le temps. Quand tu seras fort tout le temps pour dire, je vais résister. Non, 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 on n'est pas fort tout le temps. Si tu laisses quelqu'un qui veut de toi, à côté de toi, le jour où tu seras faible, tu vas céder. On n'est pas fort tout le temps. Il y a des moments où la chair monte. Donc le mieux à faire, c'est d'enlever tout le monde à côté de soi. De telle sorte que le jour où tu es faible, tu sais qu'il n'y a personne à côté de toi qui t'enferme. Mais si tu fais non, t'as dit, c'est juste un ami, hein, Elise. Je ne dis pas que c'est toi, ton nom est venu comme ça. C'est juste un ami. Non, c'est juste une connaissance. Quand tu seras faible, il va te montrer qu'il y a un bon ami. Il va te servir qu'un ami rend à un ami. C'est là que tu sauras après d'avoir eu un enfant. Si tu as la malchance, Dieu te fait grâce et les triplés en un coup. Tu sauras ce que ça fait. Là où on est en train de partir, il faudrait que. Écoutez, là où on parle, la sainteté n'est pas que notre vie, c'est aussi un bouclier. Là, c'était notre troisième point. C'était le troisième point par rapport à notre message. J'allais parler de la sainteté. La sainteté est un bouclier. Là où on part, la sainteté est un bouclier. Et là où on est en train de partir, se sanctifier, c'est le plus péché. C'est aussi éviter les rires avec tout le monde. Oui, c'est vous, j'abuse. Permettez-moi d'extravaguer. On dit ça comment? Extrapoler. Là où on est en train de partir, on part avec tout le monde. Quelqu'un qui est tombé aujourd'hui n'a pas ouvert la porte aujourd'hui. La porte a été ouverte depuis 2015. En 2022, que le diable, écoutez, je ne connais pas un homme plus patient, à part Dieu. L'ennemi est plus patient que toi et moi. Il peut te faire le piège en 2000. Et c'est en 2030 que tu tombes. Et les pièges sont très futiles. Aujourd'hui, tu acceptes un petit bisou ici. De mettre certains petits bisous au front. Bisous, tu ne sais pas comment les bisous au front. Bisous au front. Non, moi, c'est mal les bisous au front. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Après, tu acceptes le bisou ici. Après, ça vient au menton. Après, ça décale de la joue, ça vient ici. Et tu ne sais pas que les choses sont en train de se faire petit à petit. Et demain, tu ne sais pas, papa, je suis tombé. Tu
n'es pas vu. Tu n'as pas vu ça venir. Comment? Comment? Quand tu brises le mur de la sanctification, dès lors où tu as brisé le mur de la sanctification, tu as donné accès. Le secret que je vous donne, il va arriver des moments quand tu te sanctifies. Il va arriver des moments où l'esprit va te dire, mais donne pas des bises aux gens. Et quand tu donnes la bise, une simple bise qui n'est pas un péché, mais tu te sens mal dans ton corps, c'est comme si tu avais frôlé, tu as offert une règle. Dès lors où tu te sens comme ça, dis-toi déjà que c'est une porte que l'esprit ne veut pas te toucher. Si à partir, écoutez-moi bien, je parle avec à tout le monde, je parle à tout le monde, que Dieu te bénisse vite. Je vais revenir peut-être selon les trucs. Si pendant que tu es en train de discuter avec quelqu'un sur WhatsApp, tu écris, tu te rends compte qu'à partir de 22h, tu te sens déjà bizarre, n'écris plus. L'esprit est en train de te dire, il y a une porte là, ferme-la. L'esprit, c'est l'esprit qui te dit, ferme la porte. Tu commences à parler avec quelqu'un, vous commencez à parler de l'école, du ministère, à un moment donné, tu sens que ça n'est. Ne fais pas que oh, je peux gérer, non, je gère, je peux maîtriser. Tu ne maîtrises rien. L'esprit va commencer à te dire, type de discussion là, fais attention. Non, n'en parle plus. Maître, bloc. Je ne comprends pas les jeunes. Vous commencez déjà à parler, mais non, tu aimes quelle position? Ça va t'amener à quoi? Tu as déjà expérimenté quoi? Ça va t'amener à quoi? Tu finiras, c'est une porte qui est ouverte. Et tôt ou tard, ça va commencer par envoyer les photos. Comme quelqu'un dit, hey, si je t'envoie mes photos, après je vais les retrouver, je suis en train de les faire. C'est comme ça. Après, ça va... après quand vous allez vous retrouver, ce serait les bêtises. N'ouvre pas la porte. Là où nous sommes, la sainteté est un bouclier. La sainteté est un bouclier. Remarquez que ce qui était tabou en 2010, en 2009, en 2007, de nos jours, ce n'était tabou. Les choses qu'on ne voyait que dans le mariage en 2010, en 2009, en 2007, de nos jours, tu vas sur YouTube, t'exposer, sur Facebook, t'exposer. Ce n'est plus tabou de nos jours. Donc, ce qui veut dire que si déjà la sexualité n'est plus tabou, nous, on doit augmenter notre niveau de sainteté. On doit augmenter notre niveau de sainteté. On doit augmenter la sécurité. Je crois que c'est le message de quelqu'un ici. Hein. Je crois que c'est le message de quelqu'un ici. Amen. Dieu n'exhorte pas les pécheurs. Après, le vivre dans le péché, et puis tu vas prier pour Dieu t'exhorte. Dieu n'exhorte pas les pécheurs. Demain, on va parler de ça. Demain, on va essayer. Demain, c'est samedi. On sera là jusqu'à dimanche. Parce que dimanche, on a notre culte. Et Dieu va nous faire du bien. Par la zéglée de mes écritures. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il y a quelqu'un, la sainteté est un bouclier. Oh, dis-le à un frère. Dis-le à quelqu'un ici. La sainteté est un bouclier. Lise, pourquoi l'ennemi veut décrire ta vie comme ça? Parce que je suis en train de croire. Hein. Certes, tu as arrêté l'école, mais je vois comment Dieu te trouve une porte. Mon ami, maman, le fait d'avoir arrêté l'école ne veut pas dire que tu es bête ou intelligente. Tu veux parler couramment. Tu es intelligente. Forme-toi dans un domaine. Je vais te dire dans quoi tu es formé. Tu connais ce qu'on appelle le développement personnel? Oui. Ça te dit quelque chose? Non. Non, ok. D'autres appellent ça être influenceuse. Mais ce n'est pas ça. J'y ai pensé. Tu as pensé à ça. Mais quand je dis développement personnel, c'est ça vient autre chose. Parce que tu as pensé à des ambitions d'être influenceuse dans le contexte de montrer la voie et de conseiller beaucoup des jeunes qui consomment d'être un exemple. C'est dans cette voie-là que Dieu va t'utiliser. Mais le problème, c'est que tu dois te cultiver. Tu dois être intelligent. Est-ce que tu comprends pas? Oui, je comprends. Apprends l'anglais. Apprends l'anglais. Apprends le français. Apprends à bien parler, à bien t'exprimer. Maîtrise un domaine. Maîtrise les affaires. Fais les affaires. Hein. Dieu va t'élever. Si ce sont les affaires, maîtrise. C'est quoi le business? C'est quoi le commerce international? C'est quoi le marketing? Maîtrise. Documente-toi.
Et c'est en faisant ces choses que Dieu va t'élever. Mais hormis ça, par la zoupe clé, hormis ça, fais les zoules de Dieu, et fera la vie. Écoutez bien ce que je vais dire. Prie le Seigneur pour ton mari. Tu comprends? Je vois beaucoup les dames ici, les jeunes filles. Vous avez les désirs, la voix des hommes, des maris qui sont des hommes de Dieu. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Être la femme de l'homme de Dieu, ce n'est pas facile. Alors, si je veux que vous désirez, priez beaucoup Dieu. Ce sont les bons désirs, mais sachez aussi que ce ne sera pas facile. Être un homme de Dieu, c'est le travail le plus compliqué du monde. Il y a trop de tentations. Et vous, en tant que femme de Dieu, vous devez... Écoutez, je vais vous dire. La femme d'un homme de Dieu doit être toute une femme spirituelle. Tu dois être mystique. Tu dois être spirituel. Tu dois avoir du caractère. Tu dois comprendre les Écritures. Tu dois avoir un cœur de mère. Mais aussi, tu dois être belle à tout moment. Oh oui! On va parler de Saint-Jules. Les enjeux de la femme de Dieu. On va parler de ça. Il y a trop de combats là-bas dedans. C'est compliqué. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. C'est compliqué. Les hommes de Dieu, c'est le seul domaine où les mamans t'appellent mon fils. C'est le seul métier où tu as pris maman de 16 ans, 2 ans, tu l'appelles ma fille. C'est aussi le seul métier, parmi les métiers, où l'un des plus grands, l'un des métiers, où les mamans de 52 ans veulent te dire chérie. Là-bas, on ne voit pas l'âge, c'est l'onction légale. Donc, ils font beaucoup prier. Est-ce que je parle au Esprit? Amen. Il faut beaucoup prier. Tu vas être maman des milliers de personnes. La moindre erreur, c'est les milliers de personnes qui te regardent. Donc, tu es l'exemple des milliers de personnes. Il y a beaucoup de choses. Des milliers de personnes te draguent. Les hommes plus influents que ton mari te draguent juste pour détruire la vie de ton mari. Tu voyages, c'est bien. Mais tu fais tes nuits blanches parce que tu dois veiller. Oh my God. Là où on est en train de partir. Pendant que je suis en train de parler, on va revenir dans les services prophétiques très bien. Par la grâce de Dieu. Donc, lise, garde ces paroles et que Dieu te bénisse. Dis à grâce que. Je vois comme les histoires des butines des gemmes dans votre famille. Je ne sais pas quel est le rite, mais je vois ça. Je vois comme s'il y a eu des initiations dans la famille. À croire vos tantes, et puis vos mères. Exactement. Ce qui fait que beaucoup de personnes chez vous, moi, la plupart, certaines dames croient vraiment à ces choses-là, initiation, ces choses-là. Le combat n'est pas facile, mais un combat dans la victoire. Alors prie beaucoup Dieu par rapport à ça. Je dis, tu as la victoire sur toute chose. Maintenant, par rapport à l'autel, je vais t'expliquer d'abord c'est quoi l'autel. Tu vas comprendre d'abord c'est quoi l'autel. Tu vas comprendre quels sont les enjeux de l'autel. Le plus important, ce n'est pas d'abord le faire, c'est de comprendre ce que tu fais. C'est bon? Oui. D'accord. On va en parler soit juste après ou demain. Que Dieu te bénisse. Flore, pendant que tu as mis à main, je parle à Flore. J'ai vu pendant que tu cherchais le travail. Est-ce que Flore est là? Oui, je suis la prophète. Est-ce que c'est la Flore que je connais? La Flore des Grâces? Oui, Grâce Henriette.
Oh, ça fait longtemps. Oui, oui. La fille du prophète Élie, oui. Ah non, non, non. Ah, ok. Toi, tu es la sœur de Grâce Henriette. Oui, depuis le Maroc. Ok. Parce que quand je vois Flore, je connais une autre fille qui s'appelle Flore, qui est la fille de mon frère. Donc, tu cherches le travail. Kalazou, prenez-le. Tu cherches le travail depuis un moment. Oui, oui. Tu es au Maroc? Oui. Actuellement, tu es toujours au Maroc? Oui, je suis toujours au Maroc. Et est-ce que tu veux entrer dans le domaine du travail afin d'être indépendant financièrement parce que tu as envie de... Je sais pas si je te vois comme si tu veux quitter et commencer à naviguer les problèmes. Quelque chose comme ça. Oui, oui. D'accord. Tu as terminé les études? Oui, tu as terminé les études. Là, je suis à la licence en fait, en fin de cycle de licence. Ah, tu es en fin de cycle de licence, donc tu es en troisième année. Oui, oui. Et après, tu veux travailler ou bien tu veux continuer les études? Poursuivre jusqu'au master et normalement, j'ai envie d'avoir une activité, travailler en dehors des cours en fait. Bon, mais selon la loi, on ne peut pas avoir le travail là, je crois. C'est compliqué, oui. C'est complexe. Mais il y a certaines personnes qui ont du travail. Oui, oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous croyez au Dieu du tout est possible? Amen. Amen. Donc, les personnes qui sont au Maroc. Est-ce que c'est Henriette que je vois là qui est partie au Gabon? Si, si, c'est elle. Henriette, est-ce que tu peux activer ton micro? Est-ce qu'on peut parler encore quelques minutes? On a terminé pour ce soir. Oui, je suis là. Henriette, est-ce que ça va au Gabon? Ah, c'est compliqué. On a fait retour au Maroc. Pardon? Retour au Maroc. Je retourne au Maroc. Retourne au Maroc. Ah. Mais non. Comment? Si tu veux, je t'accorde 3 mois. Observe ce monde, Gabon. Mais je suis rentrée. Tu es rentrée au Gabon pourquoi? Parce que c'était compliqué au niveau financement de l'école. D'accord, c'était compliqué. Au niveau du Maroc, financièrement, c'était compliqué. Oui. Et tu es passé au Maroc pour essayer de voir comment tu peux faire pour avoir un emploi, un petit travail et comme ça. Non, je suis partie au Maroc pour les études. Mais non, après un moment, bon, les financements pour l'école, c'est compliqué. Même là, actuellement, je suis rentrée, mais je n'ai pas encore fini de payer l'école. C'était vraiment compliqué. D'accord. OK. Tu sais pourquoi j'ai dit de revenir au Maroc? Non. Parce que j'ai vu comment ta situation au Gabon devenait compliquée encore. Oui. Il y a qui à côté de toi là? Il y a ma grande sœur Elsa. Ta grande sœur Elsa, là, elle a un enfant? Oui, elle a un bébé. Je porte le bébé avec moi. Tu portes le bébé? Oui. Actuellement, elle a l'aide. Oui, elle a l'aide. Elle n'est pas mariée? Elle n'est pas encore mariée. Elle vit avec un homme en concubinage. Oui. Ah, elle m'écoute actuellement. Maman Elsa, bonsoir. Bonsoir. Maman Elsa, prie pour tes finances et prie pour ton mariage. Et prie pour ton conjoint. J'ai prié. Vous avez compris ce que je veux dire? Non. Priez pour vos finances. Priez pour votre mariage. Priez pour votre conjoint. D'accord. Oui, maintenant. Oui. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Je peux parler? Oui, oui. D'accord. Je vous demande de prier pour vos finances parce que je vois une période compliquée par rapport aux finances. Vous venez actuellement, je crois, d'accoucher, je ne sais pas combien de temps,
Mais je vois une période où ça va être un peu compliqué pour vous, même de subvenir aux besoins de l'enfant. Amen. Et pourquoi je demande de prier pour vos finances et surtout, pourquoi je dis de prier pour votre mari? Parce que je crois que votre mari travaille, votre conjoint travaille. Oui. Et je vois, je ne suis pas là pour venir semer la zizanie, mais je vois à un moment donné qu'il y aura des pressions au niveau de votre mari et de votre conjoint. Et si vous n'avez pas l'habitude de prier avec votre conjoint ou de prier ensemble avec votre conjoint peut voir ailleurs. Oui, quoi? Amen. Amen. Il paraît. Non, non. Je peux parler? Oui, allez. D'accord. Et pourquoi je dis de prier pour le mariage? Car la zoupe est très élémentaire. Parce que vous devriez vous marier depuis. Comment? Vous devriez vous marier depuis. Oui, elle devait se marier depuis. Oui, oui. Vous avez combien d'années ensemble? Bon, on peut dire 2 ans. Parce que au début, j'aime quand je me parle comme ça. Au début de la vie. Maman? Oui. Non. Est-ce que en 2010, vous étiez ensemble en 2018? 2018. Non. 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 Pourquoi je suis en train d'entendre comme si en 2018, quelqu'un vous a parlé mariage? Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est un projet dans ma relation, non? D'accord. Je suis en train de voir en 2018, peut-être que vous avez oublié, en 2018, je vois comme si un monsieur vous a parlé mariage. Je ferme là. Je vois le monsieur même avec qui vous êtes actuellement. Au début de la relation, il a parlé mariage. Si, oui, oui. C'était les fiançailles qu'on voulait comprendre. On voulait commencer par les fiançailles. OK. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. OK. C'est lui qui est là. Il est là. Non, non, il n'est pas là. On est à 3 à la maison, 3 filles. D'accord. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je suis en train de voir, maman Elsa, au début de la relation, votre conjoint a commencé à vous parler mariage. Je crois même qu'il était même en train de se préparer financièrement pour ça. Vous avez même mis les étapes. Vous allez voir maman, je ne sais pas si c'est le concours après les fiançailles. Après, normalement, un temps après, vous devez vous marier. Mais il y a eu comme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Même vous n'avez pas compris. Bam, les choses ont commencé à se faire comme ça. Et un. Oui. Amen. À la zikre élément, on est déclaré Fiada. Ma zikre à la double est Fiada. On est en 2022. 2022. Vous avez commencé la relation en 2020? Oui, oui, on peut dire. Au fait. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième moitié de 2020 avec votre conjoint? Dans quoi? La moitié de 2020. Dans la deuxième moitié, vers le mois de juin, juillet, août, septembre, la deuxième moitié de 2020, est-ce que avec votre conjoint, ça allait? Question? Pardon? Aïe, on avait les projets, le projet de faire les fiançailles. Comme tu dis, on avait déjà tout apprêté et tout, mais à la dernière minute, on a annulé. On a dû annuler. Et puis, j'étais enceinte en même temps. J'étais enceinte en même temps. D'accord. Je reviens sur les 3 choses que j'ai eu à dire. Priez pour votre mariage, parce qu'il est combattu, il est retardé. Les livres comme vous gardez dans ce cycle de concubinage là. Oui, amen. Il faut prier. Ça, ce n'est pas biblique, ça n'est pas de Dieu. Il faut prier. Et deuxièmement, priez beaucoup pour votre conjoint. Les femmes qui vous plaignent que vos maris vous trompent là, ou votre conjoint, un homme, ce n'est pas un acquis. Une femme, ce n'est pas un acquis. Après, à prier pour vos conjoints. Parce que je vois comme si quelque chose risquerait de se passer ou votre conjoint vous trompe sérieusement. Oui. Un moment moins là. Oui. Et, mettez les mains comme ça. Je libère la grâce de Dieu au nom de Jésus. Vous avez des dettes? Pardon? Vous avez des dettes? Les dettes? Non, non. Pas du tout.
Ok. Je libère la grâce des finances sur votre vie au nom de Jésus. Et que Dieu multiplie vos avoirs et que vous prospérez financièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais je suis en train de parler avec Henriette. Je reviens maintenant chez Henriette. Oui. Est-ce qu'on peut arrêter maintenant? Est-ce qu'on peut arrêter maintenant? Non, avançons pour être. Ok, Henriette, je reviens rapidement. J'étais en train de dire, tu disais que tu allais pour apprendre au Maroc. Oui, je t'allais pour apprendre. Qu'est-ce qui a fait que tu retournes au Gabon? C'était pour essayer d'avoir les une situation finances, financière. Les finances qui ont fait en sorte que je Et tu voulais avoir une situation financière un peu stable, histoire de voir comment faire et qu'on sort. Il y avait le projet de chercher de l'emploi en rentrant au Gabon. Oui. Ça a été très compliqué. Pourquoi je te dis de retourner au Maroc? Certes, au Maroc, ça a été compliqué. Mais moi, je vois comment c'est au Maroc que Dieu va t'élever. Je sais que humainement parlant, ça a été compliqué au Maroc. C'est compliqué au Maroc, je sais. Mais je ne sais pas comment. Je sais aussi que tu vas retourner au Maroc. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai dit retourne au Maroc. Maintenant, le conseil que je peux te donner prophétiquement, c'est que là où tu es là, crée des situations. Commence, je pourrais t'aider dans la prière. Commence à créer des stratégies, de l'emploi, des business qui vont te permettre d'avoir assez de fonds et qui te permettent d'aller au Maroc en 20 ans. Parce que quand je te vois travailler au Maroc. C'est vrai que j'avais eu un rêve où je devais monter dans l'avion pour repartir au Maroc. Je me suis dit, mais ça, c'est quel rêve et tout. Vous savez, parfois, vous quittez les pays juste parce que ça chauffe. Mais prenez le soin de bien prier avant de quitter un pays. Parfois, vous quittez certains pays juste parce que ça chauffe. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, ce n'est pas un péché. Mais quelquefois, prenez le temps de bien prier, de le prier, de le prier, de le prier. Dieu t'a laissé partir au Gabon pour te faire la grâce de voir les parents, d'avoir la chaleur des parents. À un moment donné, mais après, il y a une fois que tu vas couper, tu vas retourner au Maroc. Et au Maroc, là-bas, il va te lever. J'ouvre une parenthèse. Dieu a décidé de travailler avec la diaspora gabonaise. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes qui sont dehors au Gabon qui passent par des moments difficiles. Ce n'est pas Satan. Dieu veut vous amener dans une indépendance financière afin que vous changez les choses. Ce n'est pas tout, c'est Satan. Dieu veut travailler avec la diaspora gabonaise. Il veut que des personnes, des millionnaires sortent là. Amen. Alors apprenons à capter la voix de Dieu afin de nous accrocher à ça et de changer les situations. Que Dieu te bénisse, Henriette, au nom de Jésus. Amen. Henriette, il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un? Quelqu'un où? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Oui, je suis avec quelqu'un. Parce que mon esprit était déjà dans ton téléphone là-bas. Hier soir. Oui. Oui. Non, que Dieu te bénisse. Il faut prier pour ta relation. Amen. Je voudrais beaucoup prier pour ta relation. Je vois comme si tu aimes la prière. Comme ça. Oui, j'aime la prière. Oui. Alors, lui aussi, il aime la prière. Hein. Oui, il aime la prière, mais juste que... lui aussi, il est trop combattu dans sa famille. C'est compliqué, tout ça, mais bon. Il aime la prière. Et souvent, on fait des prières ensemble. Mais c'est pas trop ça. Il faut lui dire. Oui. On ne peut pas avoir l'or sans que l'or ne passe par le feu. D'accord. Il est combattu dans sa famille. Il faut aussi lui dire que quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu le sépare. Dieu a pris Abraham, il a dit va. Il est combattu par la famille, mais c'est la même famille là, il a le cœur grand. Oui. Il faut lui dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'il apprenne à se séparer de sa famille pendant un temps. Parce que dans sa famille,
Il y a trop la sorcellerie. Et on lui met les bâtons dans les roues pour qu'il n'avance pas. Parce que c'est quelqu'un d'une tête. Il a la tête. Il est intelligent. Mm-hmm. Il a des difficultés dans tout ce qu'il fait. Il a du mal à progresser dans ce qu'il fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Quelquefois, la réussite est précédée par la séparation. Effectivement. Déjà. Merci. C'est même un homme de Dieu. Mais toi, je vois comment Dieu va t'amener dans une dimension de prière et de danse. Amen. Ça y est, d'abord, ce n'est pas seulement pour chercher l'argent. Il faut prier. Arrête de dormir déjà aussi. D'accord. Merci. Mais non, il faut t'élever dans la prière. Réprends ta Bible. Avant, je vois comment l'esprit descendait sur toi, tu utilisais le prier. Tu avais des visions. C'est où c'est? Oui. C'est passé où les visions là? Je vois mal. Oui. Je te parle à Henriette et à Flore. Je vois comme s'il y a une autre. Au Maroc, je pense qu'il y a un groupe comme ça. On avait même plus. Oui. Il faudrait réactiver les choses. Et parmi vous, récemment là, je ne sais pas si ça date de 2 ou 3 mois, quelle est la demoiselle qui a été blessée sentimentalement? Entre votre groupe, Henriette, Flore, récemment. Bon, moi, c'est pas moi. Bon, personnellement, moi et Anna John. Toi et Anna John. Ok, attends. Attends. Vous êtes au Maroc? Oui, on est à Casa. Ok. Ok. Parmi vous là, parmi vous deux, laquelle avait un conjoint qui n'est pas chrétien? Parmi nous deux, Fleur et Parmi les deux personnes qui ont été blessées. Ah, ok. Bon, nous deux, on n'avait pas des conjoints chrétiens. Voilà, là-bas, c'est compliqué. Je n'ai pas le même. Je n'ai pas le plus. Parce que là-bas, quand je rentre, là-bas, je vois même les choses aussi que vous avez aussi fait, machin, tout ça. Mais que Dieu est un Dieu fidèle. Pendant que je parle, je vois comment sur Flore, l'autre qu'on dit Anna là, je vois comment Dieu vous fait la grâce de prospérer et d'être guéri par rapport à cette histoire-là. Et je vois comment ces choses que vous avez à passer là, il faut laisser ça. C'est qu'on voit là, je ne les vois pas dans votre métier. Je ne vois par contre avec les hommes qui craignent Dieu. Amen. Amen. Je vous vois avec les gens qui craignent Dieu. Flore, au nom de Jésus, je déclare que le travail soit en partage. Au nom de Jésus, je prie dans la vie de Henriette, je libère au nom puissant de Jésus, dans la vie de Henriette, dans sa famille, chez Maman Elsa, chez tout le monde. Je déclare que la grâce de la fécondité financière sur votre partage au nom de Jésus. Amen. La multiplication financière sur votre partage au nom de Jésus. Je commande que les portes du ciel soient ouvertes pour ce qui vous concerne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, toutes les personnes présentes peuvent. Ok. Maman Gladys. Est-ce que Maman Gladys peut activer son micro? Aïe. Michael, 2 minutes et je termine. Est-ce que Maman Gladys, qui est en Côte d'Ivoire, peut activer son micro? Si bien sûr, il n'y a pas de bruit à côté d'elle. Je vois ici, je vois Gladys. Ok, je vais aider maman. Est-ce que Maman Gladys m'entend? Toutes les personnes qui font du commerce, à partir de maintenant, je déclare et j'ouvre une nouvelle saison dans votre vie. Je déclare que vos revenus vont augmenter au nom de Jésus. Toutes les personnes qui font du commerce, commerce en ligne, commerce vestimentaire, quel que soit le commerce que vous faites, je libère, pendant que je parle, une grâce qui va vous emmener dans une autre dimension commerciale. Vos revenus vont se multiplier. Vos revenus vont s'accroître. Vos revenus vont grandir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Par la même occasion, je décrète et déclare
Que la distinction soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je vois Yann ITS. Yann, là, tu es, que Dieu te bénisse. Darling, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde peut élever sa main comme ça? Élève les mains, on va commencer à prier juste pendant une minute. Élève ta main, dis merci à Dieu. Tu désires quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Lève tes mains à Dieu et commence à dire merci. Sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Dis merci à Dieu, lève ta main, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la santé, merci à Dieu pour le travail, merci à Dieu pour ces moments, merci à Dieu pour la fécondité, merci à Dieu pour le mariage. Dis seulement merci à Dieu. Pendant que tu seras en train de le faire, je suis en train de voir comment une grâce descend, comment une grâce descend dans ta vie maintenant. Pendant que tu es en train de le faire, je suis en train de voir comment la faveur de Christ se localise maintenant. Pendant que l'on parle maintenant, je vois comment il y a des bébés qui vont dormir paisiblement cette nuit. Je vois comment il y a des personnes qui étaient attaquées qui vont dormir paisiblement cette nuit. In the name of Jesus. Père, je te dis merci. Merci, je te dis merci dans ma foi. Parce que je crois et je sais que les vies des personnes qui sont restaurées. Les vies de plusieurs sont changées. Les vies de plusieurs sont transformées. Au nom de Jésus. Merci parce que tu sors du célibat plusieurs personnes. Tu l'as fait entrer dans le mariage. Tu sors de la maladie. Tu l'as fait entrer dans une dimension de stabilité sanitaire. Tu sors de la pauvreté pour les introniser dans la richesse. Père in the name. Père in the name. Père in the name of Jesus. Je crois maintenant, pendant que je suis en train de parler, que les vies de plusieurs sont changées en une autre vie. Tu changes des personnes en une autre homme. Tu changes des femmes en une autre femme. Tu les libères pendant que je parle. Une onction de métamorphose. Elohim, que les anges du ciel descendent et commencent à impacter, impact. In the name of Jesus, les vies de plusieurs personnes ici. Elohim, tu es le Dieu de tout à coup. And the Bible says that. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ainsi que je parle. Que après ce service, après ces déclarations, dès ce soir, il puisse avoir un changement, une métamorphose dans les vies de plusieurs. Une métamorphose dans l'intimité de plusieurs. Une métamorphose dans le domaine spirituel de plusieurs. Une métamorphose in the name of Jesus. La Bible dit que tu ne renvoies pas. Sorry, tes paroles ne reviennent pas à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elles ont été destinées. À toi le même. À toi la gloire, à toi la majesté. Au nom de Jésus, et l'Esprit me dit amen. Amen. L'Esprit me dit amen. My amen. God. Amen. Oh, les gens qui sont saisis. My God. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni? Que Dieu amen. Vous bénisse. Alors, ne sortez pas d'abord, ne vous déconnectez pas d'abord. Chakarana basé de dégâts. Karudo boshe de dégâts. C'est le dégâts. Chabande de couche, c'est le dégâts. Pour les disciples d'Abbasoto, le ciel est ouvert. Et d'un coup, le ciel est ouvert comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve demain pour nos moments de prière. Nous sommes pour le sixième jour, demain sur le septième jour, nous aurons nos moments de prière à 3 heures. Ah, ça parle à la gazi, qu'est-ce que c'est le nous souffrons les déclats de votre être là. Ne manquez pas ces moments de demain. On va prier à partir de 3 heures du Sénégal, 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon et 5 heures de la France. Nous aurons 1 heure de prière. Ne manquez pas ces moments. Ne manquez pas ces moments. Viens prier pour ta famille. Viens prier pour briser le cycle familial. Non, c'est moi, il n'y a pas de sujet. Toi-même, tu sais ce qui se passe dans ta famille. Viens et implore Dieu afin que les histoires familiales s'arrêtent. Afin que les cycles de la famille s'arrêtent. Viens chercher Dieu.
afin de ne pas revivre et répéter les mêmes erreurs que la famille, les mêmes erreurs que tu as créées. On se voit demain à partir de 3h. Les informations sont ici sur cette affiche. Et prenez une capture, c'est dans notre groupe aussi Telegram. Donc demain, on se voit et c'est notre dernier jour de prière. Alors j'aimerais aussi y aller que, voilà, nous aurons une heure de prière, c'est demain. J'aimerais aussi y aller que dès mercredi, nous reprenons avec nos moments d'enseignement. Ne ratez pas ces moments, Dieu va nous faire énormément de bien. Ne ratez pas ces moments. Aussi, je tiens à rappeler que le mois de mai marquera la fin du programme Moment de prière qui est un miracle, qui se déroulera tous les samedis et dimanches. Il commencera, ce programme débutera le samedi prochain et le dimanche, pas celui de demain, parce que le dimanche d'après-demain, mais sur prochain là-bas, parce que dimanche, on va clôturer notre jeûne jusqu'à, notre jeûne jusqu'à dimanche. Samedi, on clôture le jeûne. Dimanche, on ne va pas jeûner, mais on va se trouver le soir pour des moments de prière et d'enseignement le dimanche. Et on va terminer notre enseignement sur les 5 puissances secrètes le dimanche. Ne le ratez pas. Et le samedi et dimanche prochain, on va reprendre avec nos moments de guérison. Et on va terminer, durant ce mois de mai, notre programme d'enseignement sur l'autorité du croyant. Ne ratez pas ce programme qui sera explosif. Et selon que Dieu fera, assurément, on va naviguer dans le prophétique, dans les miracles, je crois que Dieu va faire énormément de bien. Venez avec les malades. Vous doutez de la puissance de Dieu. Amenez les malades. Vous saurez qu'il y a Dieu au ciel et des serviteurs de Dieu sur la terre. C'est ce que je vous avais à donner comme annonce. Je terminerai en disant ceci. D'abord, notre numéro secrétarial sur cette affiche. Contactez-nous ici avant toute envoi. Mais pour ceux qui sont au Gabon, vous avez RTL, Monin, Orange Monin. Oui, pour ceux qui sont au Sénégal, pour les différentes offrandes et dîmes. Je réitère, pour ceux qui sont à l'international, il y a Western Union, Via et Monégram. Je réitère, avant tout envoi, contactez-nous, et nous vous dirons, nous vous donnerons des instructions par rapport à cela. Avant tout envoi, contactez-nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Est-ce que je veux prier pour toi maintenant? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une onction ce soir un peu très compliquée. Alors ferme tes yeux et lève ta main droite. Père, dans la vie de toutes les personnes qui ont les yeux fermés, qui ont leur main droite élevée, comme la mienne, je me connecte à leur esprit. Je viens créer un mouvement en jeu. Père, après cette soirée prophétique, que les vies soient transformées. Après cette soirée prophétique, que les vies soient radicalement métamorphosées. Père, que dès ce soir, il y ait un mouvement spirituel. Je décrète et déclare 2022, ce n'est pas 2021. 2022, ce n'est pas 2021. Nous refusons d'être assujettis sur les autels et les alliances sataniques des familles. Nous refusons d'expérimenter et de subir les alliances néfastes et les autels sataniques. Père, je libère maintenant, selon que la Bible dit, l'onction brise le jour. Je me connecte aux esprits des prophètes parvenus à la perfection. Et je me connecte à leur onction. Je libère maintenant l'onction qui brise le jour. Afin de briser les jours familiales, afin de briser les alliances, afin de briser les jours, traverser les hôtels néfastes et sataniques. Je commande et je déclare, après cette soirée, que les vies qui stagnaient commencent maintenant à avancer. Que les mariages qui stagnaient commencent maintenant à avancer. Je libère la délivrance.
pendant que je parle, la Bible déclare, et la Bible dit que le Christ Jésus appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'appelle la stabilité maritale, j'appelle le mariage, j'appelle la prospérité. C'est mon devoir, c'est notre apanage, et je libère ces choses maintenant. Père, que toute personne sous influence des esprits sataniques, je décrète et je déclare que l'influence des mauvais esprits les lâche au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, ceci est fait et ceci prend effet immédiat. Au nom de Jésus. Est-ce qu'un esprit peut me dire Amen trois fois? Amen. 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 Vous êtes béni et personne ne pourra dire le contraire. Vous allez prospérer et personne ne pourra vous dire le contraire. Vous réussirez et personne ne vous dira le contraire. Amen. Dormez avec la conscience que vous êtes béni. Dormez avec la conscience que vous prospérerez. Dormez avec la conscience que vous réussirez. Dormez avec la conscience que vous êtes des milliardaires. Dormez avec la conscience qu'aucun esprit des maris de sirène, quelle que soit la provenance, ne peuvent vous déstabiliser. Parce que vous êtes bénis, protégés. Est-ce que je parle à des esprits ici? Amen. En amen, sécurité amen. Par le ciel. Oh my God. Cette présence vous accompagne. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, shalom. On se voit demain par la grâce de Dieu et l'Éternel nous fera énormément de bien. Shalom chez vous.